Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est encore du DP, oui, en ce moment c'est du DP. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir aussi de la broderie cette semaine. Alors c'est pour faire suite un peu à la vidéo des porte-clés Mickey, Minnie, le DP aussi de Chouchou, Belle et le Clochard, comme je vous avais expliqué. J'avais perdu ma vidéo unboxing de la boutique Colorful DIY. Donc, je leur avais dit que j'allais faire rapidement les articles que j'avais reçus. Du coup, que j'allais faire des vidéos pour les présenter, mais du coup, autrement, en les faisant. Et aujourd'hui, c'est le mini DP. Alors, c'est un tout petit DP. Le motif c'est un panda tout rigolo, mais tout en strass. Ce ne sont pas des perles mates, on va dire, ce ne sont que des strass. Et désolé, je suis essoufflée. ce sont que des strass et ce n'est pas un DP où on fait des lignes régulières droites. Là, tous les strass sont mis un peu dans tous les sens. Mais c'est un DP complet quand même. Et il fait 15 cm sur 15. Voilà. Donc, ce DP, vous pouvez le retrouver dans la boutique Colorful DIY. Je vous mettrai en barre d'infos le lien également pour le retrouver. Je vous remettrai le lien de la boutique. C'est des DP bon, qui vont très, très vite à faire. Moi, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait hier. Je l'avais commencé le matin, je l'ai terminé vers 14h, je crois. Ouais, donc j'ai mis 3-4 heures pour le faire. Et encore parce que je ne me suis pas pressée. voilà. Et je dis 3-4 heures parce que bon, ben, j'ai fait des petites coupures entre deux. Mais c'est un truc qui va vite à faire et qui est super sympa également pour les enfants. Voilà. Le résultat est magnifique. Je vous dis, c'est un dessin un peu enfantin, voilà, mais le résultat est top. Ça brille dans tous les sens, c'est vraiment très très joli. Peut-être que j'en reprendrai d'autres comme ça, parce que ça me plaît pas mal. Et je vous dis, c'est des choses qui vont très vite à faire. Alors, par contre, vous allez avoir ce DP en plusieurs vidéos, parce que je veux vous le montrer en entier. Mais je ne vais pas vous mettre 4 heures de vidéo, hein, quand même. là, vous allez avoir la première partie. Alors, je ne sais pas, bon, je n'ai pas fini les montages. Hein. Là, je viens de faire un premier montage. Donc, c'est tout le fond du DP. Et j'ai commencé à placer les grosses perles sur le visage du panda. Parce que, bon, pareil, les strass, alors, il y a des petits strass de taille normale, il y a des moyens, il y a des gros, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs couleurs, voilà. Et c'est ça qui donne vraiment un joli relief à ce DP. Donc, vous allez l'avoir soit en deux vidéos, c'est sûr, peut-être trois, voilà. Mais vous verrez que le résultat est magnifique. Alors, ceux qui sont sur mon groupe de Diamond Painting ou qui sont sur mon Instagram ont déjà vu le résultat final. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben vous allez voir ici en vidéo. Donc là, vous allez avoir la première partie. Et j'essaye de faire le montage de la deuxième partie dans la foulée pour que vous n'attendiez pas trop pour la voir. Je vais voir, je vous dis, si je fais deux ou trois vidéos. Mais bon, vous le verrez. S'il y a trois vidéos, vous verrez que j'en ai fait trois. Voilà. je vais vous laisser visionner. Je ne vais pas parler plus longtemps, mais je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Enfin, petite. Bon, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas très, très longue. En musique. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et pour la suite de ce DP. À très vite. Bisous, bisous. Bon visionnage.
Thank you.
Thank you.